J'ai passé hier une journée magnifique. J'étais parti avec le Hardboil, Longbeard, Mushroom Picker. Pour les longues courses, c'est plus sûr d'être à deux. À 2h du matin, par un clair de lune éblouissant, mais qui brouillait tous les chemins. Il y a eu une très belle promenade à travers un immense glacier poudre de neige, puis des rocs et des neiges et des rocs et des neiges. C'est pourtant la première fois que je montais si haut, 3470 mètres. Et le spectacle était étonnant. Même difficile à supporter. Il me semble qu'à rester là une heure de plus, on deviendrait fou. Tellement les habitudes de la vision sont dérangées. Un petit chien jaune qui nous a adoptés nous avait suivis jusqu'à 3000 mètres. Là, il y avait un passage impossible pour lui. Il nous attendait en bas. Mais la descente de 2300 mètres était assez fatigante. Et après la soupe, je me suis endormi comme une pierre. Un vieil alpiniste m'avait dit, quand vous serez là-haut, essayez de faire une multiplication ou un travail intellectuel quelconque, et vous m'en direz des nouvelles. J'essayais plusieurs exercices, comme 1 divisé par 100, moins 2 divisé par 99, moins 3 divisé par 98, etc. En effet, impossible de les faire mécaniquement. Par contre, si on fait l'effort, on se trouve obligé de penser beaucoup plus activement et intensément. J'en conclus que sur les hautes cimes, la pensée est substantielle ou n'est pas. Les nombres, par exemple, deviennent pesants et résistants comme des pièces de mécanique. Physiquement, non seulement j'ai changé de peau, mais j'ai l'impression que toutes les cellules se sont renouvelées. Il n'y a que le tympan gauche qui reste toujours comme un tambour crevé. Mais au fond de mon instinct animal, il y a un espoir qu'après la montagne, la réaction se poursuivant, cela pourra peu à peu se raccommoder. J'ai laissé de côté tout travail de plume. Je finirai la grande beuverie en quelques jours à Paris. Mes expériences de montagne me serviront, mais il faut un peu de recul. Je t'embrasse, Vera. Nata.